Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La vie est parfois trop injuste, mais une personne poussée au désespoir est capable de tout faire. Cette histoire en est la preuve, regardons-la. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Au printemps 2015, un résident de l'État américain du Texas, nommé George Pickering, était âgé de 59 ans lorsqu'il eut un horrible choc qui bouleversa sa vie. Le téléphone sonna dans sa maison et lorsqu'il répondit, il réalisa qu'il s'agissait de la clinique où son fils unique séjournait. Le jeune homme avait subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux et était tombé dans le coma. L'ambulancier lui dit « Nous avons le regret de vous apprendre que le cerveau de votre fils est mort aujourd'hui. Il sera débranché du système de maintien en vie. » L'homme raccrocha silencieusement et s'assit sur le sol. Il fut sous le choc pendant plusieurs minutes, puis il se leva lentement et marcha. Ce qui arriva au pauvre père ce jour-là était tout simplement impossible à exprimer avec des mots. Cependant, nous allons essayer et vous allez maintenant tout découvrir par vous-même. Très vite, l'homme entra d'un pas décisif dans la clinique. Il tremblait de partout, tenant sa main sur sa ceinture. Sous les doigts de l'homme désespéré se trouvait un pistolet. À pas rapide, il monta dans l'unité de soins intensifs où se trouvait son fils unique. Il rencontra le médecin traitant. Le médecin le tapota avec sympathie sur l'épaule et lui dit qu'une consultation médicale spéciale avait eu lieu ce jour-là et qu'il avait été admis qu'il était inutile de traiter son fils et il n'y avait plus d'espoir pour lui. C'est cette commission qui décida que le patient devait être débranché du système de maintien en vie. George dégaina alors son pistolet et regarda la pièce avec un air désemparé. « Sortez ! Laissez-moi seul avec lui » cria-t-il à tout le monde, d'une voix pleine de douleur et de désespoir. Les médecins appelèrent immédiatement la police et pendant les 4 heures qui suivirent, le père désespéré affronta seul les policiers. Les forces spéciales arrivèrent en renfort et encerclèrent l'hôpital. Il semblait qu'il n'y avait pas d'issue. À ce moment précis, le père en larmes saisit la main de son fils et se mit à prier. C'était ses machines qui le maintenaient en vie, mais George croyait de toutes ses forces qu'il y avait encore un infime espoir. « S'il te plaît, mon fils, vis, je t'en supplie », dit-il en pleurant au chevet de son garçon mourant. « Si tu m'entends, serre ma main ». C'est alors qu'un miracle se produisit. Il sentit son fils lui serrer faiblement la main. Au départ, il ne crut pas cela possible, alors il demanda à nouveau à son fils de lui serrer la main s'il l'entendait. Celui-ci le fit 4 fois de suite. George sentit son âme tressaillir d'espoir et de gratitude. Le cerveau de son fils n'était pas mort, il l'avait entendu. Après 4 heures, l'homme se rendit compte qu'il était temps d'abandonner. Il pouvait désormais prouver à tous que son fils était bien vivant, alors il se rendit à la police. Bien avant qu'il ne se précipite dans l'unité de soins intensifs avec le pistolet, les médecins l'avaient déjà persuadé d'accepter de transplanter les organes de son fils à d'autres patients dans le besoin. Mais on n'osait plus parler de ce sujet, car personne ne pensait plus que le cerveau de son fils bien-aimé était mort. Et dans la soirée, un autre miracle arriva. Il sortit soudainement du coma. Maintenant, il avait presque récupéré et sa belle-mère s'occupait de lui. George Pickering fut arrêté, mais après avoir compris les détails de l'affaire, le tribunal adoucit la sentence et il fut rapidement libéré. « Oui, mon père n'a pas agi selon la loi », dit le fils. « Il a été obligé de prendre les armes pour sauver ma vie. Si mon père n'avait pas décidé de faire cet acte désespéré, je ne serais pas assis ici aujourd'hui. Mon père a été guidé par l'amour et seulement l'amour. » Il est difficile d'imaginer ce que quelqu'un d'autre ferait s'il se trouvait dans une telle situation, ou comment il se serait comporté dans 1000 autres situations d'urgence. Peut-être que nous ne devrions pas juger trop sévèrement ce père qui avait perdu la tête à cause du chagrin. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.